Bonsoir. Good evening and welcome to this press conference for France team. I have a pleasure to welcome the head coach, Mr. Hervé Renard. For your questions, please raise your hand, wait for the mic, and mention your name and your media, and we can start now. Yeah, please. Thank you. Bonsoir Hervé, Sébastien Nieto pour Le Parisien. On vous imagine très déçu. On vient de parler avec beaucoup de joueuses là qui retiennent quand même beaucoup de positifs de cette compétition. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Merci. Je suis encore plus positif qu'elle. Déjà, je voudrais les féliciter d'avoir réussi ce soir un grand match contre une nation entière. Quelques paramètres qui n'ont pas été dans notre sens. C'est difficile de lutter comme ça, mais on a failli le faire et on ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce que je peux leur reprocher? Rien. Je vous l'ai dit, tout le monde a travaillé d'une façon exceptionnelle. J'avais même prévu de vous envoyer mes adjoints ce soir si on gagnait le match, mais comme je me dois d'affronter mes responsabilités, je suis venu. Félicitations à tout le monde, au président de la fédération qui est resté avec nous tout le séjour. C'est une belle marque de soutien et pour le football féminin français. Du premier jour où on a mis les pieds ici jusqu'au ce soir, il est resté avec nous. Et à tous ceux qui nous ont soutenus, et voilà, faut pas avoir de regrets. L'année prochaine, on sera à la maison. Il nous reste une chance pour aller glaner quelque chose. J'espère que on saura tenir les conclusions de quand on organise un tournoi, c'est important. Voilà, donc une fois encore, félicitations à toutes mes joueuses et à tout le staff. Okay. Question, yeah, please there. Thank you. Bonsoir Hervé, Nathan Gordol pour l'équipe. Vous parlez de paramètres qui n'ont pas été dans votre sens. À quoi vous faites allusion? Et plus largement, est-ce que vous pensez que ce match, il y avait moyen quand même de le gagner dans le temps réglementaire? Déjà, on a eu en face de nous une très grande gardienne de but qui a réussi un match exceptionnel. À la fois dans le temps réglementaire, dans les prolongations et puis dans la séance de tir au but, même si elle a tiré le sien sur le poteau. Il faut la féliciter. Je pense que c'est elle qui a fait la différence ce soir. Féliciter Solène Durand qui a fait une magnifique séance de tir au but. Ça n'a pas fonctionné, c'était pas loin. Voilà, le paramètre, c'est juste qu'il y a main dans une surface et qu'elle n'est pas sifflée et que c'est comme ça. On ne va pas pleurer parce que quand on pleure, on a des réprimandes, mais il faut quand même le dire. Il ne faut pas le passer sous silence. On n'est pas des bénis oui-oui qui doivent toujours se taire. Donc on ne cherche pas d'excuses, mais c'est un beau coup de pouce pour se qualifier. Please question here. Yeah, thank you. Tracy Holmes, ABC. Again, apologies, I don't speak French. Can you please explain how it feels to have had this experience with this team, coaching women's football, and how that equates or compares with your previous experiences? Yes, I would say it's the same football, but it's completely different. But it was a fantastic experience. Of course, I would prefer to respond to you with a victory this evening, but this is football. I already lost some competition on the penalty shootout, but also won some competition, so always keep it up, keep your heads up. This is the most important. I'm proud about the players. I'm proud about the staff, about our president of the federation. I was saying he was always with us every day. So this is a very good support for the women's football. Now we have to looking forward. We are organizing on the next year the Olympic Games in Paris. So we are waiting for you. We'll have our revenge. Okay, please there. Thank you.
Bonsoir Hervé, Anthony Reich, RMC, désolé, il est parti aux commentaires. Vous parliez des jeux justement, là vous avez bâti quelque chose, les filles le disaient en zone mixte, quelque chose vraiment de solide s'est construit, c'est positif pour entamer, même si c'est très tôt évidemment à chaud, mais entamer le travail pour les jeux. Non, un entraîneur il est toujours dans la lucidité, j'ai eu l'occasion de leur dire quelques mots. Je les félicite, mais je ne les félicite pas pour faire bien. Je les félicite pour tout ce qu'elles ont fait, pour tout le travail qu'elles ont effectué. On a passé 53 jours ensemble. Avec le staff, tout le monde s'est mis au travail. Tout le monde a rempli sa tâche d'une manière fantastique. Donc ce soir, il manque un petit quelque chose. Ben, c'est à moi d'aller chercher ce petit quelque chose. Voilà, j'ai pas su faire mieux qu'en 2019. Donc la responsabilité, elle me revient. Mais il faut continuer à avancer et garder cet état d'esprit et ça payera. Donc on va continuer cette année 2023, bien commencer l'année 2024 avec la Ligue des Nations et bien se préparer pour ces Jeux Olympiques. On espère qu'on va récupérer quelques joueuses qui nous ont manqué. Mais ça fait partie du football aussi. Donc ça va nous permettre de devenir encore plus forts. Question there, please. Thank you. Marco Monteverdi from News Corp. Coach, was it always the plan to bring on the reserve keeper for the shootout? Sorry, I didn't on. Was it always your plan to bring on the reserve goalkeeper for the shootout? Sorry, I didn't understand. Yes, it was a plan for the penalty shootout. We knew all of us the qualities of Solène Durand. She's amazing on the penalty shootout. You can see she's top two penalty shootout. So three, sorry, I made the mistake. So if we were winning this evening, I was the king of the world. But this evening, I'm nothing because we lost for some millimeters. This is football, but it's also why we love this football, because I think all the people were watching this game this evening were enjoying. It was some action for Australia, some action for France, good goalkeeper, good players on the field. I think it was a fantastic image of the women's football. So we are not the winners this evening, but we are proud about our competition. Please, there. Bonsoir, Léa Dandois, Info Sport Plus, Canal Plus. J'ai une question sur les changements qui sont assez tardifs. Pourquoi ce choix? Parce qu'on a une ossature qui a réalisé aussi de bonnes prolongations. Si vous revoyez la frappe de Vicky Béchaud, la gardienne fait un arrêt exceptionnel. Donc tout allait bien, il n'y avait pas raison de changer. Et les deux changements qui sont intervenus un peu plus tard, c'était pour la séance de pénalty. Voilà, c'est toujours facile d'aller chercher des arguments, mais je ne suis pas certain que ça aurait changé quoi que ce soit. Elles ont donné le maximum et je suis vraiment fier d'elles. OK. Question there, please, thank you. Josh from Fox Sports, just wanted to ask, what impressed you about Australia's game and how far do you think they can go into the tournament from here? Yes, it's a physical team. Waiting most of the time for his opponent. Like the transition, the counter-attack, because they are very fast. So it's a good team. This evening it was 50-50, but the destiny chose Australia. So I'm wishing you all the best. I just would like to repeat one more time. This competition was fantastic for us. Beautiful cities, beautiful stadiums. The atmosphere was fantastic. So it's a shame for us to go hard. To go home now, but all the best to you, and I'm sure you can win this World Cup. The last question, yeah, there, please, thank you. Bonsoir Hervé, Alice Lefebvre
de l'AFP. Vous êtes très positif, mais est-ce que cette élimination, une nouvelle fois en quart, est un échec pour les Bleus et pour vous? Et est-ce que cela vous met un peu plus de pression pour les JO l'année prochaine? Il n'y en a qu'un qui n'a jamais de pression, c'est celui qui gagne à la fin. Donc, c'est pas passé loin. Je pense que si vous êtes un peu objectif, vous pouvez l'écrire vous-même. Ça serait faire de la mauvaise foi en disant que cette équipe de France n'a pas été à la hauteur. Donc, je ne vous permets pas de dire ça. Les filles, elles ont été exceptionnelles. On a eu un quart de finale qui était tout sauf facile contre une nation entière. Elles ont fait un match féerique ce soir. Donc il faut rendre hommage, et je ne vais pas rentrer dans vos considérations qui pour moi n'ont aucune importance. Thank you, coach. And in a few minutes, you will have the press conference for Australia team. Thank you, coach. Thank you. Merci. Thank you.